Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sans cut, sans montage, ça faisait longtemps, j'avais envie d'en faire une, je vous en fais une. Vous avez vu le t-shirt, c'est pas le même que d'habitude, et c'est l'illustration que vous avez vue sur Insta. Donc si vous l'avez pas vu, si vous ne nous suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à aller nous suivre, le lien est dans la description, voilà, petit placement comme ça. Alors est-ce que vous la trouvez pas super jolie cette illustration? Alors, il y a quelques défauts, c'est le prototype version 1. Vous allez voir, genre il y a des défauts au niveau de la chèvre, les oreilles, là il y a des traces blanches. Mais c'est le prototype version 1 et regardez comment ça rend. Genre c'est le logo, les ingésup avec la chef du Larzac vu qu'on ira tous habiter dans le Larzac, avec une fusée pour l'aéronautique et l'aérospatiale, la planète Terre, l'espace, le ciel, et je l'ai pris en bleu électrique parce que je trouve que ça rend bien, enfin c'est bleu royal que ça s'appelle, mais vous trouvez pas que ça rend super bien? Donc déjà pour les t-shirts de vidéo, je vais m'en faire un, bon sans les petits détourages des oreilles et sans les petites traces qui sont là parce que c'est encore des prototypes, je vois le dessin avec un illustrateur et tout. Mais je trouve que ça rend super bien et pour les vidéos, bah, ce sera dans le thème de la chaîne. Et cette vidéo, elle est là pour vous poser une question. Si vous, vous aviez des designs à faire. Si je vous pose la question, c'est parce que Albin a trouvé le nom de la chaîne. Salut à toi Albin, il a trouvé les ingésup, il l'a proposé dans le live, on cherchait le nom de la chaîne. On a retenu son nom. Quelqu'un d'autre dont je me souviens plus du nom a fait une remarque quand j'ai proposé les logos. Il a dit, remplace le triangle jaune derrière par un engrenage. On l'a remplacé et ça va devenir le logo officiel de la chaîne. Vous voyez, c'est toujours vous qui avez les meilleures idées. Donc ça, j'ai eu cette idée de design, etc. pour la chaîne. Mais vous qui suivez la chaîne, soit depuis longtemps ou pas longtemps, est-ce que vous avez des idées de dessin? Et en fait, tous ces dessins, je ne les ai pas gratuitement. Je les paye et les tarifs d'un dessin comme ça, il faut 3 chiffres. Donc autant vous dire que ça coûte cher. Mais vous voyez, genre l'argent que je peux gagner avec YouTube ou que j'ai pu gagner avec les formations sur le TIBE, même s'il y en a certains à qui ça ne plaît pas que je fasse de l'argent avec ça, même si ça aide des gens, bah, il est réinvesti dans des designs comme ça pour faire des dessins, des projets et qui ça va donner encore des projets. Donc je pense que vous avez une idée du style de projet qui va arriver. Ce sera sûrement pour octobre, pour les 3 ans de la chaîne. Et je voulais savoir, voilà, si toi ici, t'as pas une âme de dessinateur tout comme moi, mais t'as une idée dans la tête d'un dessin ou d'un design qui pourrait être en rapport avec la chaîne, en rapport avec les études supérieures scientifiques, etc. Ça peut, et soit tu le mets dans les commentaires, soit tu m'envoies un brouillon avec des dessins bâtons sur Instagram, ou tu peux m'envoyer un DM sur Instagram ou dans les commentaires YouTube, je lirai tout. Et s'il y a une idée à un moment, comme vous avez pu faire pour le nom de la chaîne, comme vous avez pu faire pour le logo de la chaîne, où je vois une idée et je fais « Ah mais en fait, toi t'as l'idée du siècle, toi t'es trop fort, toi t'as carrément, tu comprends mieux la chaîne que moi, tu sais mieux ce qui représente la chaîne que moi, donc t'es trop fort. » Et bien votre design, peut-être l'idée que vous pouvez avoir en tête sera retranscrit comme avec un dessin comme ça. Et autant vous dire que, regardez, il a des qualités de son dessin. Il dessine trop bien celui qui fait ça. Je n'ai plus le nom de l'illustrateur, on est en contact sur Discord. Bien sûr, je ferai sa promo une fois qu'on aura fait tous les designs et tous les dessins. Mais je trouve que déjà ce dessin pour les vidéos, ça peut être mieux que le t-shirt Space Fox de d'habitude. Parce que là, c'est vraiment un t-shirt qui nous est propre à nous. Et s'il y en a qui le veulent, bien sûr, il sera disponible un jour. Mais pour ça, attendez, il manque le bip pour couper. Je ne pourrais pas couper la vidéo sinon. Mais pour ça, il faut que je termine les dessins. Donc là, tout ce qui était trace blanche, on l'a rectifié. Donc ce dessin, normalement, maintenant, il est nickel. Et si vous avez des idées de nouveaux dessins, n'hésitez pas à les proposer soit en commentaire, soit en DM Insta. Je regarderai tout. Et s'il y a une idée dans le tas ou même plusieurs idées qui valent le coup, bah, on les mettra en forme et vos dessins et vos idées apparaîtront en vidéo sur des t-shirts ou sur des projets futurs. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et j'espère que la reprise s'est bien passée. Ciao tout le monde.